told me I'm your anchor. I told you you're my pole. Through the wind and fire, we try to hold on. We build this ship together, searching for a home. Despite the storm that hit us, we're still on board. Dancing in the moonlight, the world just stops and stares. We got no destination, I'll take you anywhere. All the doors we've opened and all the books we've closed. Words just come together, story that... Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super heureux, super content. Là j'ai la pêche, pourquoi? Parce que ça y est, on commence à tout ranger et j'ai bientôt fini. Hier j'ai mis l'après-midi, regarde si tu peux faire voir ça. Hier j'ai mis l'après-midi à ranger cette soute en fait. Normalement je voulais qu'elle reste entièrement vide pour pouvoir stocker si on a besoin sur le pouce des vélos ou la mobilette ou quoi. Mais j'avais encore besoin des mâles parce qu'on a les affaires d'hiver dedans. On a les skis, les tenues d'hiver, on a encore pas mal de choses, hein, les casques, on a plusieurs casques, on a des casques été, des casques hiver. Ah, je suis essoufflé. Et voilà quoi, ici j'ai des caisses électriques, je pense elles vont gicler par la suite. Pour l'instant je les garde si jamais j'ai besoin de mettre des néons, ou alors encore des prises ou des lumières. Et puis une fois que tout le bus il sera vraiment bien fini, que j'aurai plus besoin de prises nulle part, j'aurai plus besoin de fil, plus besoin d'électrique, et bien ces caisses je vire et tout. Voilà, donc là on va essayer de voir si la mobilette elle passe la 103 Vogue de 1000, je sais plus quand. Elle est de quelle année déjà? Pas marqué ça. Elle est de 88. C'est qu'elle est vieille. Ah non, c'est pas mon avis. Moi c'est 83. Normalement elle rentre en arrière. Vous voyez, hop. Je sais pas si elle pourra rentrer parce qu'on a un petit top case à mettre dessus pour aller faire les courses, pour aller chercher le pain le dimanche. Et je pense que c'est le rétro qui gêne, hein. C'est ça Théo? Oui. Voilà, si on le met comme ça, c'est bon. Je vais lui faire un petit support. Nice. Hey, c'est nickel ça. Impeccable. Voilà. Je vais lui faire des petits supports. Et puis comme ça, elle pourra tenir dans le bus, nickel. Et j'ai encore un petit peu de place à côté. Et je pense que je vais lui faire une mini rampe pour la descendre. Quoique c'est léger, hein. Je sais pas encore. Voilà, mais en tout cas, la mobilette, elle passe. Par contre, le top case, il passera pas. Donc, il faut que je trouve une platine rapide. Je pourrais pas le fixer en fixe. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc ça, c'est cool, alors. Ouais, ça. Le matin, on pourrait se faire mal au dos avec ces conneries. Une petite rampe, ça serait pas mal. Voilà, bon, ça, c'est cool. Donc, vous l'aurez compris, là, c'est pas mal de rangement. On se dépêche parce que je veux que tout soit prêt pour le salon du véhicule de loisir. Parce que voilà, j'ai envie qu'on soit opérationnel. C'est pas que je vais me servir de la mobilette au salon, hein, mais j'ai envie que s'il soit vraiment opérationnel. Et là, il faut que je l'isole, il faut que je mette mes 3 cm de stéro dur, mon contreplaqué, je fasse mes petits joints partout. Et après, je pourrais remettre les caisses. Là, c'était vraiment pour essayer. Et ça se trouve, ça, l'isolation, je sais pas, parce qu'on va privilégier la pose du balatome en priorité. Donc ça veut rien dire, je vais privilégier la pose du bateau en priorité. En fait, je dis deux fois la même chose, priorité, privilégié. Ça veut dire pareil, enfin vous avez compris. Et ça, on verra ça après le salon du véhicule de loisir. Je pense, hein. Ouais. Voilà, voilà, mes petits bandits, c'est ce que... Voilà, je suis content parce que ça avance et c'est cool. C'est trop cool. J'ai même retrouvé un vieux blouson pour bricoler. Ça changera avec mon truc vert. Moi aussi. C'est pas mal, ouais, toi aussi. Voilà, voilà, que dire de plus? Bah, qu'on est plus heureux du monde. Voilà, on est plus heureux du monde. Voilà, c'est fini, on a viré tout le bordel. Et c'était pas sans mal. Hein. Allez, on y retourne. Ouais, je sais, j'ai la classe quand je descends des échelles. Et ouais, c'est comme ça. Whoa!
à mon casque. Sinon, tu pouvais pas enlever tes palmes à côté de tes chaussures? Allez, fini. C'est comme ça que tu fais ton déménagement? Encore deux, trois derrière tours. Ouais, bon là on n'a pas trop le moral. Enfin on n'a pas le moral. On commence à être fatigué de tout ça. Ouais, hein, y en a marre. On a couru sur Angers pour trouver du Balatom, mais il n'y a pas, parce que nous il nous faut du 2 mètres, il n'y a pas beaucoup de rouleaux de 2 mètres, et on va pas acheter un rouleau de 4 mètres alors qu'on va avoir plein de pertes. Alors ils ont du 2 mètres mais il leur reste que 3 mètres. Ouais, en linéaire, ouais, c'est clair. Donc on n'a toujours pas notre Balatom. Moi j'ai bien avancé sur la soute, je vais aller vous faire voir ça. Et c'est chiant du coup parce qu'on sait pas où aller, on veut avoir le Balatom pour le salon du VDL, mais là je sais pas trop comment on va faire. Voilà. Heureusement qu'il y a la petite notification qui va bien, on vient de recevoir la petite notification, les Road Assis viennent de sortir une nouvelle vidéo, les Marseillais en Laponie. Donc on va regarder ça et avec un petit air nostalgique parce qu'on était ensemble. Donc j'espère qu'on va nous voir sur leur vidéo. Hein, on va regarder ça. Allez, c'est parti pour la deuxième vague. On est presque à jour. Regardez tout ça. Vos suites arrivent. Allez, bientôt. Bon, on est venu chercher notre courrier depuis longtemps qu'on n'était pas venu. Et on est venu aussi chercher des colis en point relais. On va les ouvrir parce qu'on a commencé à ouvrir. On a dit, oh non, vas-y, on va ouvrir ça devant la vidéo. Vas-y, chouchou, le petit colis c'est là. Ouais. Excellent. On a juste vu le début. On a refermé aussitôt. Hein. Promis, je vous promets. Regardez, c'est encore un peu. Ouais. Attention. Regarde dans ce sens-là que les gens y voient. Attention. Fragile. Oh là. Tu qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, il y en a un qui me connaît bien et qui sait que j'ai la main verte. Du coup, parce que c'est des plantes synthétiques. C'est ça? Non, c'est une vraie, c'est vrai? Non. Ah, c'est une vraie plante. Oh, excellent. Fais voir. C'est quoi? Allez. Oh. C'est Captain. Excellent. Oh, il a fait des vitres et tout. Où ça qu'il est cassé? Là, le rétro, il est cassé. Ah non, arrête. Ouais, non, mais on va le recoller. Trop. C'est Captain. Quoi la matière? Je cadre bien, ouais, c'est bon. On dirait du bois. C'est quoi? Ah non, c'est du plastique. C'est quoi ce truc? Attends, est-ce que c'est fait à l'imprimante? C'est fait à l'imprimante 3D? Non. Si, regarde, on les trace. Arrête. Oh, et Mickaël, tu t'es craqué là, t'as fait ça bien. Oh avec la vache! Regardez ce que nos bandits nous offrent, mais si c'est pas un truc de dingue. Et là, c'est un porte-crayon et un porte-carte. Regardez. Regarde, il y a encore des trucs dedans. C'est marqué quoi? Porte-stylo et porte-carte. Ah oui, c'est fait à l'imprimante 3D. C'est excellent, en fait, il a tout repeint. Ouais, ça sent. Ça sent la peinture. Ah, il s'est fait des petits renault, tout ça. Peindre et tout bon, ça. Les fenêtres, c'est le gamin qui l'a fait ou c'est toi, là? T'es un petit peu débordé, hein. c'est excellent. Un grand merci, hein, franchement, là, c'est cool. C'est excellent. Arrête de taper dessus. C'est bien fait, il y a même la plaque et tout. Ouais. Ah, c'est pas mal. T'as vu, Captain, avec une plante sur le toit? Je dirais des cheveux, tu sais. Et ça, si c'est pas une chouette aventure, tout ça. On est vraiment dans une bande de dingue. C'est trop beau. Regardez-moi ça. Les gens nous aiment et on les aime. Et c'est un échange. Et ça, c'est trop cool. Et rien que pour ça, c'est trop chouette d'avoir cette chaîne YouTube. C'est génial. Allez, à tout à l'heure. Merci, Mickaël. Merci. On est reparti dans un autre magasin de bricolage pour essayer de trouver du Balatom. Hé, chouchou, regarde, je veux ça. Regarde. Une charrette comme ça pour aller chercher de l'eau avec la mobilette. Hein? Ouais. Je peux? Je sais même pas si ça se vend. Tu peux déjà faire ta charrette, t'as déjà la mobilette. On peut se la fabriquer, ouais. Donc, on vient à la flèche là et on va essayer de trouver du Balatom. Franchement, il y en a marre, quoi. J'espère qu'on va en trouver là. Bah, de toute façon, c'est le dernier magasin. On va y arriver avec notre Balatom. Moi, je voulais prendre celui-là. Nul, moche, c'est de la merde. Ah, t'as pas le droit de donner ton avis, c'est aux gens de donner leur avis. Ah, pardon. Voilà, on va dire qu'on n'a rien entendu. Et Charlotte, elle veut celui-là. Vous préférez lequel? Donc du coup, comme c'est les femmes qui ont toujours raison, hein, monsieur le vendeur? Voilà, et du coup, on prend celui-là. Le temps que vous nous donniez votre réponse, il sera déjà posé. Voilà, je suis sûr, ils vont dire c'était trop chouette. Ou ils vont encore dire, comme la dernière fois, non, t'avais un goût de merde. C'est clair, t'avais des goûts de merde, excuse-moi. Voilà. Mais... Allez, c'est parti, on prend celui-là. Vendu. Vous nous mettrez 6 mètres, monsieur, s'il vous plaît. Allez, bonne journée. Merci. Bon, ça y est, on est parti avec notre Balatom. Voilà, on a dû demander l'avis au client. Encore. Merci, sur Instagram, on a fait un petit sondage, si vous n'avez pas vu. Donc, vous étiez les trois quarts pour le gris
Et du coup, on n'arrivait pas à se décider. Du coup, on a demandé à des clients qui passaient par hasard. On leur a dit, hey, Pepe, venez ici. Vous préférez lequel? Et la femme a fait, non, mais de toute façon, les hommes, ils sont là que pour, que pour poser le balatum. Et voilà. Donc, la fille, elle a dit, mais c'est tout à fait ça. Même pour l'achat d'une maison, de toute façon, c'est toujours la femme qui a le dernier mot. Donc, forcément... Salut, forcément, c'est les femmes qui ont toujours raison. Donc, on part avec du balatum. Allez, ça salut Francis. Ouais, je connais ici. Donc voilà, allez, on part en caisse. On va voir notre petite caissière favorite. Favorite, elle s'est fait engueuler hier par un ancien. Ah, je l'aurais défoncé. Comme du poisson. Et tu as rien dit. Bah si, j'étais là, je me suis foutu de lui. C'est vrai, ouais. Il l'a vu. Du coup, j'ai envoyé chez la caissière. J'ai dit, ouais, vous faites mal votre travail. C'est inadmissible. Du coup, on a rigolé, on a fait passer ça sous le ton de la rigolade. Ça servait à rien de crier. Il se tape là, en plus, elle est trop gentille. Ouais, c'est clair. Allez, allez. Bisous, à tout à l'heure. Bye bye. Vous rigolez pas de mes chaussons, on est à la maison, c'est le soir. Attendez, normal, quoi. On se met à l'aise. Voilà, donc, on en profite, on a mis les enfants au lit. Enfin, moi aussi, je suis en chaussons. Je sais pas ce qu'ils ont en ce moment. Je sais pas si les vôtres, c'est pareil, mais en ce moment... Ils sont surexcités, surénervés, un truc de dingue. Peut-être c'est le départ, je sais pas. Ou alors ils mangent trop de sucre, il y a un truc. Là c'est pire que tout. Si là, vous avez des solutions pour qu'ils s'endorment facilement le soir. Ils nous parce font que, péter ouais. des câbles le non, soir. Non, il y a des fois c'est très dur le y soir. Y a des fois, ouais, c'est tous les soirs. Pourquoi avant c'était pas comme ça? Non, je me souviens pas en fait. C'est bizarre. Enfin, si vous avez des solutions à part leur donner du Lexomil. Non, là c'est abusé. Ouais, c'est abusé. Donc on en profite que les enfants soient normalement au lit pour enlever la table. Je vais faire tous les joints partout. Je vais mettre un scotch par-dessus pour qu'on puisse marcher tout de suite dessus. Et ensuite, on va poser le balatum. Voilà. Le balatum qu'il y en a certains qui n'aiment pas. Parce que apparemment tout est gris dans notre intérieur. Mais n'empêche que le marron serait fait peut-être plus joli. Hein. Non. Ah ouais, tu restes persuadé, du toi. Du blanc, du beige, du de gris, toute façon, du noir, du marron. Ouais, vu comment on va le poser, on peut facilement le renlever pour en remettre un nouveau plus tard. Hein. C'est pas définitif, ouais, c'est voilà. Trop moche. C'est bon, pas ça définitif. Reste, ça risque peut-être d'assombrir la pièce. Ça c'est sûr. Ah ben, c'est mais de toute façon, on a galéré à trouver un balatum. Ouais, on c'était pas galéré. Facile. Et non, mais le marron, c'était juste pas possible. C'est non, c'est. Bah, attends, c'est, tu sais pas, il est pas posé. Un balatum pour mon grand-père, mais non. Mais non, mais c'est un balatum imitation bateau. Ah, mais ouais, non, ouais, bah, ouais. Voilà. Et ben alors, voilà les bateaux, c'est voilà, c'est pas forcément pour les vieux. Non, mais non, c'est pas ça. Mais non, j'ai. Moche. En plus, tous les traits et tout, non, non, ça l'aurait pas fait, ça, j'en suis sûre et certaine. Eh bien, on verra ce que ça va donner. Sûr. Non, le dos bien droit, ils ont dit les bandits. Je ne peux pas mettre mon dos bien droit. Le dos bien droit et on lève. Voilà. On pose sur les petits mouchoirs, ensuite on viendra la retourner. Je peux pas la basculer tout de suite. Ça va pas aller. Bah attends, la puissance, toi, qu'il va nous falloir. Faudrait que tu te prennes ici, chouchou. Faudrait que tu te prennes ici pour pas qu'elle torde. Ah, non, on peut non, pas là, avance-toi. Regarde, on est une bonne position, on en est bien. Bah, avance-toi, voilà. Bah, j'ai pas de force. Bah, bien sûr. Allez. Allez, vas-y, faut qu'on fasse en même temps. Ah, je peux pas. Hop, sur les petits mouchoirs. Eh, c'est pas trop mal. Voilà. Oh oui. Oh, pardon. Oh, oh, oh là. Je sais pas comment. Bah, on va le basculer dessus. En fait, je sais pas, on l'a jamais fait. Vas-y, bascule dessus gentiment. On va pas forcer à le lever. Voilà. Tout en le, on va le soutenir. Voilà. Et là, on le lève. Attention pas de mettre des graisses sur les mains. Eh ben, ça se fait plutôt bien, regarde. Et les gens, ils peuvent dormir. T'imagines? Eh ben, c'est cool, ça se fait bien. Les gens, parce t'as que plein. Dans peu de temps, il y a des gens qui vont venir dormir ouais. dans notre bus. C'est vrai, et ils vont dormir là. Par terre. C'est pour ça, on refait le balatum pour qu'ils soient bien, nos petits invités. Pour qu'ils soient à l'aise. Qu'ils soient à l'aise. Voilà. Eh ben, j'aspire toutes les petites rainures. Charlotte, elle va tout nettoyer sous les meubles et tout. C'est pas prévu, ça. Et comme ça, c'est nickel. Et ensuite, on pourra mettre du savon tout nu avec des strings, vous savez, des strings en plastique noir. Moi, et puis, on pourra glisser comme ça. On pourra faire les phoques, comme sur la banquise. Et Laetitia, elle fera pareil, parce qu'elle lui a acheté un string, Laetitia de la Fun Family WD, il lui a acheté un super string sur AliExpress. Donc, affaire à suivre. Laetitia, on t'attend avec ton string. Voilà. Non, c'est pas normal, ça. Allez, là, lève-toi. Allez, go. Au boulot. C'est parti.
just like yesterday. Got nothing new to talk about, got nothing new to say anyway. I fell in love with a girl downtown, then she walked away. That heart of coal, the sticks and stars, they put me here today. Si je m'assois sur les plaques de four, ça va pas aller. Bon, voilà ce que ça donne, vous avez vu. Eh, c'est pas mal. On va attendre que Charlotte elle arrive. Elle est en train de se doucher. Bah oui, là, il n'y avait pas de boulot pour deux. Donc, j'ai dit, vas-y, va prendre ta petite douche. Et voilà, vous allez voir sa tête. Voilà. Carrément, toi, t'es en peignoir et tout. Ouais, d'habitude, elle est nue. De tenue là devant les bandits. Alors ? Ah, ça en jette. J'adore, je regrette pas du tout mon choix. Ouais. Et toi ? J'avoue, ça fait pas mal. Ça reprend en fait le plan de travail. Là. Ça reprend un peu le plan de travail. J'avoue, c'est quand même pas mal. Oh, puis avec tes chaussons, bah là c'est le top. Là, c'est le top. Un extase devant son balatom. Toi, t'es fatigué. Bon, bah, c'est cool. Il n'y a plus qu'à faire les. Bah, on va mettre le double face tout de suite. À certains endroits. Non. J'ai pas eu le temps. Avouez quand même que le gris, il en jette quand même. Ouais, j'avoue, c'est pas mal quand même. Attends. J'avoue, c'est pas mal. Et non, tout n'est pas gris chez nous. Elle recommence avec ça. J'avais mis une publication sur Insta tout à l'heure, parce qu'il y en a beaucoup, quoi, beaucoup. Il y en a 4-5 qui vont se reconnaître en disant « Oui, mais pas de gris, il y a trop de gris dans votre intérieur. » Mais et où il y a trop de gris ? C'est vrai qu'il n'y a pas tellement de gris, en fait. Quand tu regardes... Juste là, les deux murs, c'est peut-être pour ça qu'ils disaient ça. Mais c'est un gris... limite blanc, quoi. Et peut-être que quand on fait les lives, ils voient le gris sur le mur, ils voient le gris sur le mur, parce mais que là. Tout là, c'est beige, quoi, c'est blanc cassé. C'est blanc cassé, ouais. Avec une araignée. Une araignée. Et il y a juste ça, un plan de travail qui est gris. Bon, après, vous avez les rideaux et tout ça, mais bon, ça compte pour du beurre. Juste après vous avoir dit au revoir, je vais vous faire. Juste après vous avoir dit au revoir, je vais vous faire une petite vue avec l'appareil comme ça, au ras du sol. En montrant tes sacs découpes. C'est facile de dire ça, c'est facile. Mais ça, des coupes, comme tu dis, elles seront cachées par les plaintes. Non, mais là, vive le juin. Ouais, le juin, ça sauve la vie. Voilà. Là, je suis trop méchante. C'est clair. Allez, gros bisous à tous, prenez soin de vous et n'oubliez pas, suivez-nous sur Insta parce que là, on s'en va demain. Dans la vidéo, elle arrive quand ? On s'en va tout à l'heure. Et oui, à l'heure où vous regardez cette vidéo, on est quasiment sur le point de partir au Salon du Bourget. À l'heure où vous regardez cette vidéo, on est déjà sur la route ou sur le point de partir pour le Salon du véhicule de loisirs au Bourget. Donc suivez-nous sur Instagram, vous allez avoir toutes les petites infos de la route. Vous allez pouvoir nous suivre en temps réel, si on peut dire ça comme ça, parce qu'on va poster des petites publications, des petites stories assez régulièrement. Et la vidéo sur l'arrivée au salon du VDL, tout ça, bah, ça sera samedi matin. Voilà, pour ceux qui peuvent pas venir, et il y aura encore d'autres vidéos exclusivement sur le salon du VDL. Mais vraiment sur les choses qui sont vraiment intéressantes, on va pas vous faire des vidéos, on va vous présenter des camping-cars ou quoi. Enfin, voilà, c'est pas... On va essayer de vous présenter des trucs originaux, un peu. Et puis voilà. Bah, rendez-vous aussi sur le stand de My Shop Solaire. Ouais, c'est vrai. Je sais plus, c'est Hall 5, oh sortie 6, à droite. Ouais, droit, en gros, de toute façon, il n'y a pas 36 stands de My Shop Solaire. Donc, je sais plus, on vous redira ça. Ouais. Et si vraiment, vous voulez nous voir absolument, parce qu'on ne pourra peut-être pas se voir partout, voilà, on sera surtout le samedi, à quelle heure ?
de 14h30 à 16h sur le stand de voilà, Bike Shop Solaire. De 14h30 à 16h, c'est là où vraiment vous pourrez nous rencontrer, papoter ensemble et tout, sur le stand de Bike Shop Solaire. Vous pouvez venir un petit peu avant, un petit peu après, on sera là un petit peu avant, un petit peu après ouais, aussi. Bien sûr. De toute façon, on sera là souvent sur leur stand. Gros bisous à tous. Que les vigiles, ils bloquent le passage, quoi. Ouais, à moins que s'il y a vraiment trop de monde, vous serez obligé de... Parce que s'il y a une queue qui va jusqu'au périph, vous pourrez pas venir nous voir. Voilà, allez, gros bisous à tous, prenez soin de vous. Ça fait 5 fois je le dis, mais bon, bisous, allez, bye bye. Ciao. Salut, il est trop beau quand même ce parquet. Grave. Enfin, en fait, c'est un balatome. Gonna leave for a while. Walk out the door. Forget my troubles. And move to Memphis. Maybe change my name. And since you left me. At your door, I'll never be the same. I'll never be the same. Ah, vous avez vu toutes les séquences là avec Lucas, c'était trop mignon. Je vous les ai mises parce que j'ai trouvé ça trop mignon. Voilà, Charlotte est en train de déménager, regardez. Et elle est un petit peu perdue, elle sait pas où mettre ses affaires, tout ça. Et chacun sa merde. Voilà, parce que moi j'en ai assez ici. J'ai dû tout prendre. Normalement, cette soute, il n'y avait pas grand chose. Mais j'en ai quand même mis. Donc c'est quasiment fini. Et je vais vous faire voir mon garage à mob. Voilà. C'est ici que ça se passe. Alors j'ai mis des petites poignées, en fait des poignées de porte, hein, parce que je trouvais ça c'était pas très cher, et puis en fait ça s'est bien fait. Donc dans la tôle, je voulais pas percer dans les renforts du châssis. Et là j'ai mis encore une petite poignée, et ça transperce le stérodur, le plancher, j'ai remis une grosse planche de contreplaqué marine pour tout renforcer l'ensemble. Puis bon après c'est une mob, elle est pas lourde, hein, vous voyez, ça tient bien. Regarde Julia, les gens ils t'ont mis plein de pouces en bas. Tu l'as vu ? T'es contente ? Oui.
but I'm still hooked on it. You are sacred.